Aloe Vera, comme disait Big Zen, on est parti pour une nouvelle session. Moi c'est Yannick, pour les trois personnes qui ne me connaissent pas parmi les millions qui peuplent ce monde. Aujourd'hui on m'a sollicité par rapport à mon expérience dans le surf, tout ce que j'ai déjà ridé de très très gros, pour notamment former un mec qui m'a pas l'air vraiment profité pour le truc. Bon, déjà, salut, hop, hop, check, ok, parti. Ta position, t'es pas flex. Ok, est-ce que t'as... Non, là t'es... Non. Alors il vient de nous faire un truc qui s'appelle le crapaud. C'est vraiment un truc vraiment débile que font les novices. Ouais. Est-ce que t'es stable? Ouais, ouais, ça va. Ok, on va faire le test des guillis. Lève les bras. T'es pas très sensible, les gars. Je te promets rien. Ok, t'es à l'aise sur ce pied-là? Change de pied. Change de pied. Tourne-toi de l'autre côté. Ok, on va faire ce qu'on appelle le test de la prostate. Ok. Ok, tu penches un peu en avant, penches un peu en avant, et quand ça pique, tu me dis comment tu te sens sur la planche. Ok, tu couperas ça au montage, hein, c'est vraiment que les ponts qui savent le faire. Ouais, t'es pas stable, tu vas jamais sur les vagues, mon gars. Ouais, dandine un peu, dandine un peu. Ok, ça marche. Là, t'es droit à l'avant de ta planche, tu vas récupérer aussi, c'est pas bon. C'est pas les chaussures réglementaires, ok. Fais quelques pointures. Non, je parlais pas de tes pieds, je parlais de 12. Tu fais du 12 cm, ça m'étonne pas. Mets-toi à plat ventre. C'est parti. Tu rames, comme Lilian, allez, vas-y. Tu rames, on y va. Ouais, là, mec, une vraie vraie. Tu sais quoi? Redresse-toi. Te voilà décoré. T'es effectivement dans la mer, mais t'es plutôt un phoque. Ok. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.